Où est Koro? Parce qu'on ne comprend pas là. Partagez, partagez, partagez. Délégation de l'ONU. Délégation de l'ONU et de l'Union et de la CEDEAO en route pour la Guinée. En route pour la Guinée. Pour la dernière prise de contact avec la junte, avec les poutites, avec le régime biberon, avant la distribution des sanctions. Hein? Mais où est Koro? Répondez-moi dans l'inbox là. Après, on va faire un décortiquage là. Très très fort. Démasqué. Où est Koro? Hein? Où est Koro? Partagez, partagez. Où est Koro? Koro est où? Ah non, mais la main noire. La main noire derrière le CNRD là. La main noire là. Ou les mains noires là derrière le CNRD là. Non, les mains noires là sont forts. Les mains noires là sont forts. Koro est parti le 17 janvier. Ça va faire bientôt 2 mois. Parce qu'on est en fin février. Nous sommes le 27 aujourd'hui. Maintenant, on a dit un délai d'un mois. Personne n'a communiqué. Où est Koro? Répondez. Parce que je vois les communicants RPGistes qui commencent à sortir là. Certains communicants RPGistes commencent à sortir que Koro est à Conakry. Koro est à Conakry. Où est Koro? Où est Koro? Où est Koro? Ah, donc il y a eu drame sur le système du CNRD. Vous savez que je vous avais dit ça ici. Je ne sais pas si vous avez suivi une de mes vidéos là. Je vous avais dit ça ici. Où est Koro? Parce que dans la vidéo qui a été publiée, on a vu Koro chez Guéné Kaba. On a vu Koro chez Guéné Kaba. Maintenant, à l'heure où nous sommes, Guéné Kaba bas, Mohamed Kondé bas, aucun militant ou responsable du parti RPG ne sait où est Alpha Condé. Personne ne sait où est Alpha Condé. Donc, le CNR est en train de jouer avec l'esprit de tous les Guinéens, y compris ceux qui prétendent avoir leur soutien. Cela veut dire vous, les RPGistes. Où est Koro? Il a tué un Zak. Où est Koro? Je vais vous décortiquer la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez, s'il vous plaît. Appelez-moi les RPGistes. Appelez-moi les RPGistes. Où est Koro? Où est Alpha Condé? Ce qu'on sait, quand les chefs d'État qui sont en service, hein, quand on les envoie pour leurs soins, qui partent en France, aux États-Unis, partout où ils vont, l'État communique sur leur départ. Surtout, l'État fait une précision. Quelle est cette précision que l'État fait? L'État précise dans quel hôpital ou les hôpitaux il doit suivre les traitements. S'il doit aller dans tel hôpital. Maintenant, dans le cas où est Koro, il est à Abu Dhabi. L'avion qu'on a vu là. L'avion peut monter au ciel, après il fait le tour, après il descend. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas exclu. Maintenant, je vais vous décortiquer la vidéo. Parce que quand j'ai entendu les RPGistes, il y a des communicants RPGistes qui commencent à parler Alpha Condé à Conakry, Alpha Condé à Conakry, Alpha Condé à Conakry. Maintenant, j'ai pris mon temps. En tant que, voilà, petit expert que je suis, j'ai regardé, revisionné la vidéo. Et là, des trucs que j'ai détectés, on va visionner la vidéo ensemble pour voir réellement est-ce que Koro a quitté Conakry. En tout cas, on est partagé sur l'idée. Tant qu'on ne voit pas Koro à Abu Dhabi, dans un hôpital, on n'est pas situé. Quand l'avion a quitté Conakry, l'avion a atterri à Abu Dhabi. On nous a seulement dit qu'il est parti à Abu Dhabi. Mais Koro, dans sa communication, lui, il n'a jamais dit où il partait. Il a dit seulement, je vais aller me soigner.
Si vous avez bien écouté la vidéo, je vais vous mettre la vidéo. Il a dit seulement, je vais aller me soigner. Et il a dit là-bas. Il a dit là-bas. Maintenant, l'arrivée de Coran, la soi-disant arrivée de Coran à Abu Dhabi, est-ce que c'est réellement Coran est parti à Abu Dhabi? Parce que le CNRD, après ça, on nous a balancé une vidéo. Après la vidéo, tout s'est limité là. Tout s'est limité là. Maintenant, ils ont dit qu'il va faire un retour après un mois. Le 17 est passé. On est le 27 aujourd'hui. Le 17 arrive tellement que c'est un régime biberon. C'est des gens qui ne savent pas gérer une administration. C'est des petits bambins de gamins qui ne connaissent rien en matière de diriger un pays, qui pensent qu'ils sont intelligents en manipulation. Le 17 arrive, qu'ils ne font pas de déclaration. Ils ne déclarent rien. Ils ne font aucune déclaration. Ils ne parlent pas au peuple. Ils s'en foutent. Et là, on traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Il y a Guéné Kaba qui a tout fait pour parler avec Alpha Condé. Guéné Kaba n'arrive pas. C'est la femme de Alpha Condé. C'est sa femme. Guéné Kaba a tout fait pour parler à Alpha Condé. Elle n'arrive pas. Maintenant, après Guéné Kaba, son fils le tout-puissant Mohamed Condé, tout fait, a tout fait, oui, selon les communiqués RPGistes, a tout fait pour parler avec Alpha Condé, mais il ne parvient pas. Mais est-ce réellement plus loin encore, comme Mohamed Kaba, comment, Mohamed Condé, c'est un boss, il a l'argent, il est riche, tout le monde sait. Selon les communiqués RPGistes, Mohamed Condé s'est déplacé, il est parti à Abu Dhabi. Il a cherché son papa partout, il n'a pas vu son papa à Abu Dhabi. Il n'a pas vu son papa à Abu Dhabi dans les hôpitaux d'Abu Dhabi. Maintenant, il demande où est son papa? Où est son papa? Maintenant, Coran est où? Où est Coran réellement? Mon frère Ibrahim Diallo, remonte le volume de ton téléphone. Tout le monde m'entend bien ici. Où est Coran? Je vais vous balancer la vidéo. On va décortiquer la vidéo ensemble. Attendez, hein. Les gamins là pensent qu'ils sont les plus intelligents. Ils pensent qu'ils sont les plus intelligents. Hein? Voici la vidéo. Je vous avais mis la dernière fois, on va bien décortiquer aujourd'hui, lentement, calmement, sûrement, ensemble. Ça, c'est la sortie de Coran. Quand on a dit qu'il a été déplacé pour aller à l'Andrea chez sa femme, en ce moment, Guéné Kaba n'était pas rentré en Guinée. Est-ce que vous comprenez? Donc, Alpha Condé est assis seul au salon de Guéné Kaba. Voici, le salon est vide, on voit seulement Alpha Condé, on voit une télé qui a été allumée. Attendez, je mets ça en truc là, en repos. Voilà. On voit une télé qui est allumée. On voit une télé. Regardez bien, RPGiste. Hein. Regardez bien, RPGiste. Il faut qu'on se lève tous pour dégager le CNRD. C'est des menteurs. Oui. En tout cas, moi, les communiqués RPGistes qui sont en train de communiquer que Coran est toujours à Conakry ou soit mort, c'est vrai, peut-être. Peut-être que c'est vrai. Mais quand on va décortiquer cette vidéo tout de suite et que vous allez voir réellement, parce que moi je connais Conakry comme la paume de ma main, de mes mains, vous allez aussi vous dire, Coran est assis au salon de Guéné Kaba. Guéné n'est pas là. Il n'y a pas Guéné. Ça c'est salon de Guéné Kaba. Pour vous confirmer que c'est salon de Guéné Kaba, je vais zoomer. Je vais zoomer. Je zoome encore. Et je fais descendre. Vous voyez la photo de Coran et Guéné Kaba. Vous voyez la photo de Coran et Guéné Kaba. Vous voyez la photo de Coran et Guéné Kaba.
Ça, c'est à l'Andrea. Chez Guénin-Kaba. C'est à l'Andrea, chez Guénin-Kaba. Maintenant, on va écouter la vidéo. Maintenant, pause. On va écouter un à un les mots prononcés par Koro Alpha Condé lui-même. Vous voyez, c'est le salon de Guénin-Kaba, non? Vous voyez leur photo, Alpha et Guénin-Kaba. On va revenir sur la taille normale. Et là, on va appuyer sur play. On va écouter Koro parler. Il est urgent pour moi d'aller me faire soigner. Et c'est ça ma préoccupation. J'espère que les conditions là-bas, comme je connais bien, je suis sûr d'être bien soigné. Il est important pour moi d'aller me faire soigner. J'espère que les conditions là-bas, comme je connais bien, je retourne. Les conditions là-bas, comme je connais bien, médicaux, je suis sûr d'être bien soigné. Maintenant, vous voyez cette partie-là. Koro n'a jamais dit dans la vidéo qu'il part à Abu Dhabi. Là où on va démasquer le CNRD, première erreur, c'est le salon de Guénin-Kaba. Parce que quand ils ont envoyé Koro à l'Andrea chez Guénin-Kaba, après ils avaient fait une autre communiqué disant qu'ils ont retourné Koro au palais Mohamed V. Donc, normalement, si Koro devait quitter la Guinée, on devait filmer Koro à partir du palais Mohamed V, quittant le palais Mohamed V. Donc, la question qu'on doit se poser, cette vidéo où Koro est assis au salon de Guénin-Kaba, c'était quand Koro a été déplacé pour l'envoyer à l'Andrea, c'est fort probable. Maintenant, Koro est assis ici. Au salon de Guénin, on voit Koro qui sort. Je vais bien vous montrer ça. Vous voyez ce côté-là? Ici, là, l'endroit-là. C'est un hôtel de Conakry. Ici, là. Mais dans la vidéo, je vais retourner. Tac. Dans la vidéo, on voit Koro qui sort chez Guénin-Kaba. Je retourne. On retourne lentement au salon. On est là au salon. On est là au salon. Vous êtes des bambins dans le Intik. On quitte au salon. On avance pour sortir dehors. On voit Koro qui sort. Vous voyez les murs là. Les murs là, 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 là. Vous voyez ça? Les murs là, en rouge là, rouge blanc là. Ça là, les murs là. Ça c'est chez Guénin-Kaba. Maintenant, en sortant de ce Guénin-Kaba, Koro sort dehors et on voit Koro qui se retrouve directement devant un hôtel en train de monter dans la voiture. Regardez, il quitte, normalement, quand il sort chez Guénin, là, il sort chez Guénin, il sort chez Guénin, il sort, il sort, il sort, il sort, il sort, il sort, il sort. Il sort, doucement, il sort chez Guénin, il sort, il sort, il sort, tac, il sort. Et là, on voit directement, il est devant, il est dans un hôtel. Ça, c'est un hôtel de la place. Maintenant, la sortie de ce Guénin-Kaba vient se retrouver dans un hôtel. Et l'hôtel là, sûrement c'est hôtel Onomo. Oui, regardez, hein.
Coron va sortir de là encore. Hein? Hein? Ah. Coron, on revient chez Guéné Kaba. Tac. La sortie de Guéné Kaba nous fait croire que là, c'est la même sortie ici. Ouais. La même sortie. Tac. On va voir la Coron qui vient. Hein? On voit Coron. Hein? Vous voyez Coron qui sort là, ici. Vous voyez Coron qui sort là, entre le mur et le fer, là, le gros fer là. Hmm? Voilà. Donc, ça, la partie là, sûrement, quand il prenait Coro pour envoyer Coro à l'Andrea, Coro était dans un hôtel. Et cette partie, quand il sortait de l'hôtel pour l'envoyer à l'Andrea ou je ne sais où, maintenant, la sortie de Guéné Kaba, on bam. Vous voyez? On bam. Bac. Retour chez Guéné Kaba. Bac. À l'hôtel. Retour chez Guéné Kaba. Et bac. L'hôtel. Maintenant, on avance un peu. Il va monter dans la voiture. Vous voyez Koro qui marche, hein? Est-ce que ici c'est la cour de Guéné Kaba? Non. Ici là, ce n'est pas la cour de Guéné Kaba. Maintenant, on va aller lentement. Hein? Koro va monter dans la voiture. Hein? Koro va monter dans la voiture. Il va monter. Pouf. Koro monte dans la voiture. On nous sort un montage. Ce montage là, qui va nous avancer un peu, on va nous montrer une partie qui est très connue, c'est le rond-point de chez Guéné Kaba. Je vais mettre pause là. Ce rond-point, ici là, là où il y a le petit banc là, c'est là que les gens, à côté là, ici par là, les gens vendent les chiens là, à côté de, comment on appelle l'hôtel là, Millennium Suite. C'est à côté de Millennium Suite. Et là, ce côté-là, là, ça part vers Dixon pour aller vers la route, pour aller vers Gamal. Il y a la pharmacie là qui est en face. Et là, ça, c'est réellement le rond-point de ce Guéné Kaba. Maintenant, on continue sur la vidéo, hein. Il part remonter sur le pont, tourner, prendre l'autoroute. Là. Là. Vous voyez les membres des forces spéciales qui sont là. Oh, j'ai vu. Oui. On va décortiquer ça. RPG. Où est Koro? Demandez ça à Mamadi. Ils sont démasqués. Où est Alpha Condé? Hein? Maintenant, ici, c'est là, comment on appelle? On a deux types de tarmac, deux types de coins d'aéroport en Guinée. Ici, c'est la nationale. Ici, c'est côté national. Ici, c'est nos avions qui partent à l'intérieur de la Guinée, ou quand le président sort, c'est par là que le président vient. Il part pas là où les gens partent, à l'international, il peut pas se mélanger avec les autres gens. Des fois, il peut être reçu là-bas, mais non. Ici, c'est le national. Maintenant, on continue dans le national. On voit son médecin qui marche. On voit son médecin qui marche. Maintenant, son médecin là, c'est un général, hein, c'est un général de l'armée. Voici le médecin qui marche dans le national, aéroport de Conakry. Et là, on va faire sortir
le médecin qui est en train de parler de Chirgené Kaba. Hmm? Voilà, vous voyez? Ça c'est encore Chirgené Kaba. Ça. C'est encore Chirgené Kaba. Vous reconnaissez tous les murs là? Les murs de Chirgené Kaba? Vous reconnaissez? Hein? Voilà. Maintenant, on va retourner. Voilà. Maintenant, on va retourner pour écouter les propos du médecin qui est en veste. Hein? Tac. Voilà. Pac, on était là. Depuis le début, depuis qu'il a été enlevé, on le suit dès le premier jour. Maintenant, encore, le plus choquant, je vais vous montrer quelque chose. On a pu l'assister jusque-là. Mm-hmm. Pour reconnaître qu'il a été bien traité. Mm-hmm. Parce que les jeunes qui sont avec lui sont devenus comme ses enfants. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Hein? Je vais retourner. Hein? Je vais retourner. Là. Maintenant, attendez, je vais vous zoomer. Hein? Je vais vous zoomer. Hein? Mm-hmm. Là. Je vais mettre pause. Il y a Koro. Et le jeune qui est en veste bleue, qui est proche de Koro, hein, qui discute farouchement là avec Koro. Et Koro, oui, va faire des gestes avec ses mains tout de suite. Hein, je vais aller doucement. Bon, regardez le jeune, hein, la veste bleue là. Hein. Hein? Attendez, hein? Vous voyez le jeune qui discute avec Koro, avec le médecin. Maintenant, Koro va demander à ce qu'on lui fasse un peu de liberté autour de lui. Mais il va faire ce geste-là avec ses mains, tout de suite. Hein? Regardez doucement, hein? doucement, Koro, hein? Attendez. Koro demande, voilà, c'est là. Koro demande de s'écarter de lui un peu. Vous voyez, voilà. Et vous voyez, regardez. Voilà. Hein? Hein? Vous voyez les mains de Koro, hein? Vous voyez les mains de Koro? Hein? Vous voyez les mains de Koro? Hein? 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 Voilà. Maintenant, j'avance sur l'image en rapide. Hein? Ah, le jeune biberon. Maintenant, on continue. Alors, lui, ça devient comme ses enfants. Mm-hmm. Et il n'a pas été maltraité. C'est ce que moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a encore des révélations sur la vidéo. Tout ce qu'il demande. Là, il rentre dans le salon d'honneur de la nationale. Hein? Voilà.
manger, les médicaments, tout ce qui. On continue, hein. Maintenant, le tarmac. On voit un petit là qui envoie des balises. Le tarmac. Coro qui sort. Le gars là. Qui a le sac, la valise rouge là. Là. Ici, le même gars qui a la valise rouge, c'est lui qui est là, à droite de Koro, là, à côté du médecin, le général. Mais ici, il n'y avait pas de valise. Ici, 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 là. Le gars en bavette noire. Maintenant, quand on avance, baf, le gars n'a plus de bavette, c'est bavette blanche d'ailleurs. Le gars n'a plus de bavette, mais il a la valise. Et pourtant, ce qui est intriguant, le même gars marchait avec Koro. Personne n'avait de valise. Et on ne voit personne derrière faire descendre les valises. Est-ce que vous comprenez ça? Le même gars, le gars en bavette blanc plutôt, ils viennent avec Koro. Donc les valises les attendaient déjà. Ils viennent avec Koro, personne n'avait de valise. Et là, on arrive ici. Il rentre. C'est-à-dire, regardez le mensonge dans la vidéo. Ça prouve que tout est monté de toutes pièces. Hein? Ils sont en train de rentrer dans le salon d'honneur de l'aéroport. Et là, ils rentrent. Ils vont ressortir tout de suite. Hein? Ils vont ressortir. Voici les bagages qu'ils ont sortis. Le gars, elle a la valise, hein? Ça marche, Koro marche, Koro marche, Koro marche. Maintenant, comme il avait demandé à ce qu'on s'écarte de lui un peu, vous voyez maintenant la distance qu'ils ont posée, la distance qu'ils ont mis entre lui. Et eux, vous voyez le gars en noir, hein? Vous voyez la distance, Vous voyez, quand on retourne, ouais, ils étaient proches là, 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 on retourne, on va faire ça, voilà, on va démasquer le régime bandit là, vous voyez, voilà, regardez comment ils ont collé Koro là, là. Koro demande à ce qu'il s'écarte de lui un peu. Et là, tac. Voilà. Et là, ils vont avancer, on va avancer. On fait monter les valises. L'avion est là. L'avion est là. Koro sort. Koro marche. Mais dans la vidéo, il y a une personne qui supervise toute l'action, celui qui enregistre tout. Je vais vous montrer. Le gars a la valise. Koro est là, encerclé avec. Il y a son médecin qui est là. Il y a les membres du force spéciale qui sont là. Mais tout au fond, ce qu'on ne voit pas, le gars là qui est là, là, celui qui est là, 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 là. Celui qui est là, là.
Oh, oh, attendez. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Le gars là, je ne sais pas si vous l'avez vu. Maintenant, quand on avance lentement, on avance lentement, hein, le gars, il va être là encore. Entre Koro, regardez entre la tête du Koro et l'autre tête qui est là, là. Le gars en veste noire, là. Le gars qui est derrière là-bas. Moi, quand vous allez-y regarder bien la vidéo, vous allez voir. Et le CNRD sait c'est qui ça. C'est le CNRD sait c'est qui le gars, là. Et là, le gars, il va venir suivre, hein, il va venir suivre lentement. Il est derrière, là, encore, le même gars. Maintenant, l'hôtesse va prendre Koro pour faire monter Koro. Hein? Elle va faire monter Koro, lentement. Koro va monter. Hmm? Koro va monter. Nous, on fait ça pour les RPGistes. Hein. Koro va monter dans l'avion. Koro monte. Avec le gars qui a la valise là. Et le gars, la veste bleue là. Voilà. Voilà. Maintenant, Koro s'assoit. Le gars qui a la valise va s'asseoir, sûrement du CNRD. Le gars en bleu va lui on le filme plus. Il est descendu, il est resté dans l'avion, on ne sait plus. Maintenant on voit ce banc Koro qui s'asseye dans l'avion. Maintenant on avance, on voit l'avion qui bouge, qui marche. Et en marchant, l'avion qui marche, boum! Regardez une pick-up de la gendarmerie qui est là. Vous voyez, je ne peux pas bouger le doigt là. Hein? Qu'est-ce qu'une pick-up de la gendarmerie va faire sur un tarmac pendant que l'avion est en train de décoller? Un véhicule, qu'est-ce qu'un véhicule va faire? Vous voyez la pick-up là? Vous voyez la pick-up? La pick-up de la gendarmerie qui est là. Hein? Vous voyez? Maintenant, on va voir l'avion qui va monter au ciel. Et la pick-up se rapproche de l'avion. Regardez. Vous voyez la pick-up? Vous voyez? Vous voyez la pick-up de la gendarmerie? Vous avez vu ou pas? Mettez vu si vous avez vu la pick-up. Vous avez vu la pick-up? Qu'est-ce qu'une pick-up va aller chercher sur lui? Un tarmac tapé là où l'avion décolle là. Hein? Ouais. Regardez la pick-up. Regardez. Hein? Hein? Maintenant. Boum. Cette partie-là nous a été monter de toutes pièces ou quoi? Là, après cette partie du pick-up, on va voir l'avion seulement qui est monté au ciel. Normalement, l'avion, il faut au moins quelques secondes, minutes là, pour prendre de l'air, pour voler. Maintenant, dès que la partie là, ils vont
enlever cette partie. On va voir, l'avion est monté au ciel. Est-ce que peut-être ils ont fait redescendre Koro? Est-ce que l'avion est parti monter faire le tour? On ne sait pas. Maintenant, on demande où est Koro. Maintenant, on va voir. Vous voyez la pick-up qui se rapproche de l'avion? Vous voyez? Regardez, il y a combien de distance entre la pick-up et un avion qui doit décoller. Personne n'a vu ça venir. Personne n'a vu ça venir. Regardez. Tac. Pick-up qui vient sur un avion qui décolle. Hein? Waouh. Vous voyez la pick-up et l'avion? Alors, où est Koro? Régime Biberon, où est Koro? Et gardez ça. Boum, dès qu'on dépasse cette partie, on va voir l'avion est monté au ciel. Hein, direct. On va voir l'avion est monté au ciel. Vous voyez l'avion qui monte là. Vous voyez l'avion qui monte. Regardez. Waouh. L'avion est monté au ciel. C'est parti. Tout ça là, ça peut être vrai. Comme ça peut être faux aussi. Comme on l'a décortiqué. Maintenant, où est Koro? Où est Koro? Son fils n'arrive pas à le trouver. Sa femme n'arrive pas à le trouver. Les responsables de son parti ne savent pas où il est. Tous les communicants, en tout cas après cette vidéo, qu'on nous a fait voir depuis le 18 janvier, on ne sait pas où est Koro. RPGiste, demandez au colonel de vous montrer où est Koro. En tout cas, l'ONU, la CDAO, partent en Guinée aujourd'hui. Koro est où? Maman dit, Koro est où? Moi, je ne sais pas Koro est où. Je ne peux pas affirmer. Mais les gens commencent à dire que Koro n'a pas quitté la Guinée. Que Koro est toujours en Guinée. On nous a fait un film de quoi? Regardez du début de la vidéo jusqu'à maintenant, Koro, ce qui est sûr et certain, ce que je peux affirmer, cette réalisation de vidéo que nous venons tous de voir n'a pas été filmée le jour du départ de Koro. Soi-disant le départ de Koro. Ça a été filmé quand Koro était à Landria, chez sa femme. Parce que le début de la vidéo, Koro est assis au salon de Guinée Kaba. Koro n'est pas pris au palais Mohamed V, mis dans l'avion. Personne du début de la vidéo jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez vu palais Mohamed V? Jeune Afrique affirme bien une opération de prostate. Et Allah. C'est dommage. Est-ce que vous avez vu le palais Mohamed V dans la vidéo? Je peux vous mettre la vidéo en intégralité. Sans que... On va regarder, hein. On va voir Koro et Chegene Kaba. Hein? Oh. Oui, c'est Chegene Kaba, ça. Il est urgent pour moi d'aller me faire soigner. C'est ça ma préoccupation. J'espère que les conditions là-bas, comme je connais bien, médicaux, je suis sûr d'être bien soigné. Il sort Chegene Kaba. Bon, il sort de l'hôtel aussi. Il monte dans la voiture. Il passe
le pont, l'autoroute, la nationale. Bon, depuis le début, depuis... Lui, il parle ce Guénin. Enlevé. On ça, c'est ce Guénin. Dès le premier jour, moi, j'étais à son chevet. Et Dieu merci, on a pu l'assister jusque-là, ça va. Pour reconnaître qu'il a été bien traité. Où est Koro? Il s'en va plus, ça devient le français. Où est Koro? En tout cas, on dit qu'il est mort. Il y a certains qui disent qu'il est mort. Il y a certains qui disent qu'il n'a pas quitté la Guinée. Tout le monde est... Voilà, il y a beaucoup de versions là. Alors, où est Koro, le CNRD? En tout cas, si Koro est parti à Abu Dhabi, il faut faire sortir une vidéo ou même dire le nom de l'hôpital où se trouve Koro. C'est aussi simple que ça. L'hôpital où se trouve Koro. C'est aussi simple, ce n'est pas caché. On dit le nom de l'hôpital où est Koro. C'est aussi simple que ça. Koro est en train de se soigner dans cet hôpital. Patati patata. C'est bon, tout le monde peut. Voilà, vérifier. C'est tout. Koro est où? Dans quel hôpital? Dans quel hôpital, mes frères et sœurs guinéens? Les gamins là pensent qu'ils sont champions en manipulation. RPJ, asseyez-vous à vous préoccuper des autres. Ne cherchons pas à savoir où est le PRAC. Moi, je veux savoir où est le PRAC. Je veux entendre le PRAC parler, comme sur cette vidéo. Je veux entendre que le PRAC dit, on est le 27 janvier, on est le 27 février, on est le 1er mars, aujourd'hui 2022. Je vais bien, je me porte bien. Les Guinéens, rassurez-vous, tout se passe bien. Tant que ça ne se fait pas, moi je ne suis pas sûr que si Koro est en vie, bah, ou s'il est en Guinée, bah, ou s'il est à Abu Dhabi. Bah. En tout cas, on ne sait pas où est Koro. Où est Koro? Un point, mille tirets. D'autres disent qu'il est à Dubaï. On dit qu'il est à Dubaï. Mais où est Koro? On ne sait pas. Où est Koro? Quoi, on veut soutien du RPG. Il est à l'hôpital Cleveland de Dubaï. Il est en vie. On veut une confirmation vidéo si Koro est en vie.